Cette vidéo est sponsorisée par Eneba. Profitez des cartes PSN, cartes Xbox, jeux PC les moins chers du marché. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas, le lien est dans la description. Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Vidéo achat-revente. Oui les amis, en live, on me posait à chaque fois la question, à chaque fois. Mort, comment tu fais tes crédits? Comment tu arrives à faire autant de crédits? Comment ceci? Comment cela? Les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer une tech achat-revente à la base, les gars. À la base, je vous avais déjà fait une vidéo auparavant, la vidéo la tech modificateur de poste MOC, MC, MDC, MC. Vous vous rappelez, les gars, la tech MDC, MC. Mais dans cette vidéo, les gars, on va faire la même vidéo. Voilà, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous réexpliquer comment ça marche cette tech. Et vous allez voir les frérots qu'avec cette tech, personnellement, je vais vous dire honnêtement les gars, vraiment, et c'est sincère, pour moi, c'est la meilleure tech achat-revente sur FUT. Vraiment les gars, pour moi, c'est la meilleure. On peut parler de tech avion, on peut parler de tech FUT millionnaire, on peut parler de tech boons, on peut parler. Il y a énormément de tech les gars. Mais pour moi, celle-ci, c'est la meilleure manière de faire des crédits. Et vous allez voir les amis, c'est très 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 simple. Et ne me posez pas la question, mort, on l'a fait quand et quand et quand. C'est très simple les gars. C'est de maintenant jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Tout le temps les mecs. C'est pas genre au début ça marche, mais après ça marche. Tout le temps. Tu peux la faire tout le temps. Tu peux la faire la journée, bien évidemment, les gars. Il y aura des moments où tu vas mieux vendre. Comme la journée, tu vas mieux vendre que la nuit. C'est normal parce que la journée, il y a plus de joueurs que la nuit. Le week-end, tu vas mieux vendre qu'en semaine. Parce que en week-end, tout le monde est en gameplay. Tout le monde fait FUT Champion. Enfin bref. Il y a des moments où tu vas mieux vendre. Mais sinon, les gars, en règle générale. C'est une tech incroyable. En tout cas les amis, pour cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ceux qui me découvrent. On est en live quasiment tous les soirs à partir de 21h30 sur YouTube. Puis on est parti les gars pour la tech modificateur de poste. Merci à vous les frères. Wimou. Donc les amis, grâce à cette tech achat-revente modificateur de poste, tu vas pouvoir te payer la même équipe. Oui les amis, ça vous paraît fou. Quand vous voyez ça les gars, vous dites, ouais non, moi il a abusé tout. Non mais les gars, mais les mecs, c'est réel. Les gars, c'est réel. Grâce à cette tech, tu vas pouvoir te payer n'importe quel joueur. Après, tout dépend aussi du nombre de releases que tu vas faire, du nombre de cartes que tu vas acheter, du nombre... Mais vous allez comprendre, vous allez comprendre cette tech-là. Et je vous vois venir les amis, je vous vois venir la question qu'on entend souvent. Mais à partir de combien on peut faire cette tech? Et bien à partir de, même si tu as 10k. Bon, le mieux les gars, vraiment, c'est le mieux pour moi, c'est quand tu as 30, 50 000 crédits, tu vas pouvoir faire cette tech. Et les gars, c'est pas fake, c'est pas fake ce que je vais vous dire. Vraiment les gars, tu vas pouvoir passer de 50 000 à 500 000 ou à 1 million. Après bien évidemment, vous allez comprendre, attention, vous allez comprendre. Mais surtout les gars, je vais vous demander une chose. Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin, d'accord? Genre n'allez pas vous précipiter pour aller acheter vos... Non, regardez la vidéo, ça va durer 10 minutes, d'accord? Mais au bout de 10 minutes, vous allez vraiment comprendre la tech. Parce que je sais qu'il y en a, l'année dernière, il y en a, ils me disaient, mort, j'arrive pas à vendre et tout. Mais les gars, ils faisaient pas comme moi je fais. Et vous allez voir, il y a un truc spécial que vous êtes obligé de faire. Ok les mecs, c'est parti les amis, je vous montre la tech modificateur de poste. Donc comme vous le voyez les amis, avant de tourner la vidéo les gars, j'ai acheté les modificateurs de poste. J'en ai acheté 40, d'accord? J'en ai acheté 40, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon j'ai pas les compter, mais en tout les gars, j'en ai acheté 40 et au prix, au prix minimum. Regardez les gars, le prix, voilà, je les ai achetés à 1500 crédits, voilà. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, ils sont à 1500 crédits. J'ai même envie de vous dire, les gars, je crois qu'il n'y en a plus. Donc, les gars, la technique, elle est très simple. Déjà, pour commencer, vous allez acheter des cartes, d'accord? Donc, vous allez dans marché des transferts. Une fois que tu es dans marché des transferts, tu vas dans... Ben voilà, j'y suis déjà. Modificateur de poste et tu trouves le prix le plus bas. Le prix le plus bas, on va dire 2000. Imagine, est-ce qu'il y en a 2000? Bon, dans 2000, il y en a beaucoup, les gars. On a 2000, voilà, il y en a vraiment beaucoup à 2000. Donc, tu vas sur 1008. Moi, je sais déjà, les gars, d'accord? Je sais déjà le prix minimum, c'est combien. Mais je sais qu'il y en a, ils connaissent pas trop. Donc, 1008, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va se mettre à 1007. 1007. Il y en a encore beaucoup. 1006, est-ce que 1006 c'est son prix? Et attendez, voilà, 50, voilà, voilà, le prix des modificateurs de poste, ils sont, c'est 1006. Voilà, à l'heure actuelle c'est 1006 parce qu'à 1005 j'ai tout pris. Mais c'est 1006. En gros, tu en achètes 50, tu en achètes 100, tu en achètes 200, tu en achètes même 1000. Tu peux en acheter 1000, parce pourquoi? Parce que tu vas pouvoir en mettre 100 dans ta pile des transferts, tu peux mettre que 100 cartes. Mais avec cette tech là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est les stocker dans ton club. Tu vas pouvoir stocker. D'accord? Une fois que tu, comment dire, une fois que tu as acheté tes modificateurs de poste. Donc là, j'en ai acheté 41. Je crois que j'en ai 41 maintenant. D'accord? Regardez bien les gars, regardez bien. C'est très simple. Les modificateurs de poste à moins de 2000, d'accord? Parce que vous allez voir que dans l'année, au moment où je tourne cette vidéo, vous avez vu, ils sont à 1006. Mais peut-être que dans l'année, ils seront à 2002, tu vois, ou 2003. Mais partez du principe où
Moi, je pense qu'ils vont rester tout le temps en dessous de 2000, 2000, 2002, tu vois. Bref, tu fais toujours moins le dernier prix, d'accord. Le prix où, tu vois, le plus petit prix, on a vu 1006, tu vois. Bah, tu fais toujours plus 300. Comme là, par exemple, je les ai achetés 1600, plus 300, 1900, pardon. Je vais les relister à 1900, d'accord. C'est très simple. Hop, tu fais ça, 1900, d'accord. Acheter 1500, 1900. Là, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais moi, tu l'as acheté 1500, pourquoi tu relises 400 plus cher? Parce que là, son prix, à l'heure actuelle, son prix le plus bas, c'est 1600. Donc, tu mets 1900, ok? S'il vous plaît, les amis, les gars, écoutez bien. S'il vous plaît, ne mettez pas plus 400, d'accord? Je sais qu'il y en a, ils vont se dire, attends, moi, toi, tu mets plus 300, mais moi, je vais mettre plus 400, parce que j'ai envie de prendre un peu plus. Les amis, je vais vous dire une chose. 300, c'est, on va dire, un bon rapport, on va dire, vente, bénéfice, tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas mettre, plus tu vas rajouter et moins tu vas vendre. C'est très simple. Si tu mets 400 plus cher, tu vas vendre moins si tu mets 300. Nous, le but, les gars, c'est de écouler, écouler, écouler. Si tu vas mettre 500, tu vas encore moins vendre que celui qui met 400. Tu mets... D'accord ? Par contre, si tu mets 200, tu vas te dire, bah, dans ce cas-là, je mets 200 et tout y part. Oui, tout y va partir, mais tu prends pas beaucoup. On va dire que 300, c'est un bon rapport crédit, vente, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je pense que le mieux, c'est 300. Donc là, on va tout relister à 1600 plus 300 est égal à 1900. Donc là, je mets tout à 1900, d'accord? Voilà, 1900, boum, voilà. Allez, hop, vous voyez les gars, je mets tout à 1900, d'accord? 1900, et voilà. Bon, les gars, vous savez quoi? Je fais une petite coupure et on se retrouve après avoir tout relisté. Ok les mecs? À tout de suite les amis. 3:28 a.m. Donc voilà les frérots, j'ai listé mes 41 modificateurs de poste à 1900, d'accord? Je les ai tous achetés à 1005, 1006 et je les ai tous listés à 1900. Comme vous voyez les amis, je les ai listés à 1900 et je sais qu'il y en a, ils vont se poser la question. Il y en a, ils vont se dire, moi, comment on peut vendre les modificateurs de poste à 1900 tout en sachant qu'ils sont à 1600? Ben, ils vont jamais se vendre. Ben moi, je vais vous dire, les gars... Vous avez vu tout à l'heure comment j'ai cherché les postes. Vous voyez comment j'ai cherché? J'ai mis 150, 15 millions et j'ai mis 2000, 1008, d'accord? Ben ça, il y en a, ils ne savent pas le faire. Il y en a, ils font ça. Ils font ça, ils disent, bah tiens, il me faut un modif de poste. Ok, bah écoute, vas-y, bah je vais en prendre un. Et regarde mon gros, est-ce qu'il y en a à 1900? Tu vois, il n'y en a aucun. D'accord? Regarde, 5000, 2500, 5000, 2002, 5000, 2002. 2006, regarde, il y en a aucun. Ah, il y en a un 1008. Là, il y en a un 1008, tu vois. Ben, regarde, il est parti direct, tu vois. Mais il n'y en a pas, généralement, il n'y en a pas à 1900. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, en gros, les mecs, vous pensez que ça va pas se vendre, mais il y a énormément de personnes qui cherchent leur modif de poste comme ça, les gars. C'est, ils prennent les premiers et ils voient le modificateur de poste, ouais, le moins cher, d'accord? C'est pour ça que cette tech... Tu vas acheter par exemple 100 cartes, d'accord? Ne te dis pas que tu vas acheter et vendre directement, non. Les modifs de poste se vendent les 20 dernières secondes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? On va dire on n'a pas de modif de poste. Ils ont la flemme d'aller jusqu'en... Il y en a des tonnes et des tonnes, les gars, dans le monde. Il y en a énormément. Il y en a, ils n'ont pas de modif de poste, mais ils ont la flemme d'aller sur machin transfert. Ils vont faire ça. Ils vont juste faire appliquer consommable. Ils vont aller dans poste. Ils vont aller dans rechercher un modificateur de poste. Ils vont faire les 2-3 premières pages. C'est pour ça. Et à ce moment-là, ils vont chercher le moins cher. Et vous avez vu, les gars, les moins chers, bah, c'était, il y en avait un à 1008. Et ça va être les tiens à 1009. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, il va acheter tes modifs de poste. Enfin, il va en acheter un et un autre et un autre et un autre et un autre. C'est pour ça que ces cartes-là, en gros, tes cartes que tu as listées, elles vont se vendre les 30 dernières secondes. D'accord? Donc là, rappelez-vous les amis, on a acheté 41 cartes. Ben, ce qu'on va faire les amis, ben, c'est qu'on va attendre une heure. D'accord? On va attendre une heure et on verra combien j'ai vendu de cartes sur 41 cartes. Mais partez du principe, au moment où je tourne cette vidéo, eh ben, il est quand même 3h15 du matin. Les gars, il est 3h15 du matin. D'accord? Donc la nuit, on vend pas comme, comme la journée, d'accord? La journée, les gars, vous allez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vendre. Surtout,
le mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Ces jours-là, les gars, c'est salade, tomate, oignon. D'accord ? Comme aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où la vidéo elle sort un mercredi, bah, allez-y tout de suite, les amis. D'accord ? Donc rendez-vous dans une heure et on verra combien j'ai vendu de cartes, modificateurs de poste. A tout de suite, les gars. 2000 years later. Donc, les amis, on en a vendu 6 et il nous en reste 34. Il y en a 34 qui se sont pas vendus et là, il y en a, je les vois arriver, ils vont me dire. Mais moi, c'est très peu, hein, bah, tu abuses. Mais les amis, j'ai prévenu avant que là, on est la nuit. Là, les gars, dites-vous qu'il est 4h du matin. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 4h du matin. La journée, c'est pas pareil. Le mercredi après-midi, le mercredi soir, c'est pas pareil. Le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas pareil. Vous allez vendre énormément de cartes. Et faites-moi confiance, les amis. D'accord ? Donc, du coup, là, on en a vendu 6. Il nous en reste 34. Les gars, s'il vous plaît. Les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez ce que je vais faire. Donc, donc là, on en a vendu 34. Bien évidemment, faut relister. Et là, les gars, pour relister. Les gars, surtout pour relister, ne faites jamais R2. Regardez les gars, R2. Et voulez-vous vraiment tout relister à nouveau? Non, faut jamais faire comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez tout relister d'un coup, toutes vos cartes, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, les cartes, elles se vendent les 20-30 dernières secondes. D'accord? Ben, si vous allez faire tout relister, et ben, toutes vos cartes, elles vont arriver tout en même temps. Vous voyez? Et donc, le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Le gars qui va chercher un modificateur de poste, il va voir toutes tes cartes, il va voir 1009, 1009, 1009. Bah, il va se dire, bah, je vais aller encore plus loin pour voir s'il n'y a pas un 1008 ou 1007, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand vous allez relister, en fait, la magie de cette tech, c'est comme ça et une par une. Tu relistes une par une, comme ça, voilà. Une par une, à chaque fois. Genre, tu laisses un espace de 3-4 secondes, tu vois. On va dire, voilà, c'est clac, clac et clac. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, tu fais que ça, d'accord. Tu relistes. Une par une, à chaque fois les gars, hop, boum. C'est comme ça. Voilà la magie, d'accord. Comme partez du principe où quand vous relistez tout, jamais avec R2, voilà, c'est très simple. Pour relister une carte, c'est jamais, enfin, pour relister les modificateurs de poste, jamais avec R2 les gars. Jamais avec R2. Toujours une par une. Et vous allez voir que la journée, on va dire, sur 100 cartes, vous allez en vendre une trentaine. Et une fois que tu en as vendu 30, et ben t'en rachètes 30. Et ainsi de suite. Tout le temps, tu fais que ça. Et vous inquiétez pas, les gars, vous allez faire beaucoup de crédit. Vous allez voir, faites-moi confiance. Surtout respectez bien ça les gars. C'est-à-dire la journée, vraiment la journée, c'est là où vous allez beaucoup vendre. Les mecs, le jeudi lors des récompenses Rivals, c'est à ce moment-là où vous allez acheter beaucoup de cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a les récompenses Rivals et tout le monde pack et le prix des modificateurs. Comme par exemple, demain, il y aura les récompenses Rivals. Ça va baisser, donc là, achetez, d'accord. Et surtout, les amis, quand vous allez relister, une par une. Vraiment les gars, respectez ça, une par une. Et vous allez voir les gars, vous allez faire énormément de crédit. En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Les mecs, j'ai beaucoup parlé, la vérité, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai vraiment voulu être clair dans... Voilà, pour pas que certains fassent n'importe quoi. Ok les mecs, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et merci encore du soutien, que ce soit en live ou en vidéo. Merci à vous les refs. We move.